Salut à tous, c'est Léné chez Sportium et je suis actuellement en plein milieu de la montagne. On se retrouve pour l'épisode 7 de la websérie. Je suis arrivé hier soir dans le logement d'Aloïs dans un petit village juste au-dessus de M, dans la vallée de Bourg-Saint-Maurice. Je suis donc actuellement en Savoie, juste en face il y a la station de la Plagne. Regardez, tout là-bas la montagne c'est la station de la Plagne. J'ai donc laissé la voiture juste ici sur le parking. Et aujourd'hui au programme, une petite randonnée en raquette. Hier soir, Aloïs m'a proposé d'aller faire une randonnée nocturne en raquette pour aller jusqu'à un petit chalet en montagne où on a pu manger une superbe bonne fondue. C'était vraiment super sympa. J'ai pas utilisé la caméra parce qu'il faisait très sombre, mais j'avais peur que ça ne rende pas grand chose à l'image. Par contre, je vous recommande vraiment de faire ça avec Aloïs. Là, on va faire la rando ce matin. On va aller jusqu'au chalet et vous allez voir, c'est magnifique. J'ai pris ma caméra, le drone et on est parti. Regardez, je viens d'arriver au chalet où on est venu manger hier soir la fondue. C'est juste derrière moi. Et regardez-moi cette vue incroyable qu'il y a derrière moi. Je vais sortir le drone et je vous montre ça tout de suite. Je suis actuellement en train de redescendre au parking, toujours avec cette superbe vue derrière moi. Franchement, je vous recommande vraiment de venir ici parce que c'est magnifique. C'est juste incroyable. C'est trop beau. Maintenant que le jour s'est levé, je vais pouvoir vous présenter le logement d'Aloïs. Je vais aller faire des petits plans de caméra et je vous montre ça tout de suite. Comme vous avez pu le voir, c'est une chambre privée et je n'ai pas filmé les autres pièces parce qu'il y avait des enfants et je n'avais pas envie de déranger. Par contre, je vous mets des photos juste ici que vous pourrez voir lors de votre réservation. Pendant ce temps-là, je fais une petite pub pour le mag de Sportium. Il propose des articles sur les raquettes et les spots ainsi que sur les sports d'hiver. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil, ça pourrait peut-être vous intéresser. Et nous voilà à la fin de cette journée. Regardez, dehors il fait nuit noire. Là, j'ai travaillé toute l'après-midi pour faire des reels pour pouvoir teaser cet épisode que vous verrez du coup dans quelques semaines. J'ai été courir. Et puis voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu parce que moi je me suis régalé, j'en ai pris plein les yeux. On se retrouve très bientôt pour la suite de mes aventures. Ciao !